Merci, Rudil, pour le follow, bienvenue. Et nous continuons notre combat. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Une saloperie de sorcière. On s'approche du champ bizarre alors? Non! Oh putain! On aurait pu la tuer, je crois. On aurait pu la one-shot avec le coup de hache. Une vraie revenant. J'aurais jamais pensé en voir une de si près. Je sais plus comment on descend. Je crois que c'est plus loin. Ouais, c'est là. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Et normalement, c'est comme ça qu'on descend. Il y a une grosse bestiole, voilà. Non, pas deux fois. Atreus, suis-moi. Désolé. J'adore ce fortifiant. Qu'est-ce que c'est? Du rouge. Du rouge. Perle de colère. Une minute. Et si les revenantes se déplaçaient pas seules? Et qu'il y en avait tout un groupe qui nous attendait là-haut? Et qu'elles étaient vraiment en colère? Atreus. Pardon, j'ai trop d'imagination. Donc ça c'est pour les nouvelles armures, pas pour les anciennes. Enfin c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ça? Bon, enfin ça dit pas grand chose en fait. Ouais. Je me rappelle plus trop quand on... Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment? Suis-moi. Quand on a le nain... Ah le premier nain, c'est pas... C'est dans pas longtemps. Et merde, mauvaise touche. Attends, là... Ouais, non, là c'est le chemin principal, là non. Ok. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est
un build exclusivement Manu. Je pense que ça peut être vachement utile. Regarde là. Vachement puissant. Ça dit que son nom est Rungnir. Mère m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il a pris part à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là. Viens. Je suis prêt. C'est pas une pierre qui chance. Ouais. Ça, c'est pour la rage. Donc, ce qu'on veut, c'est ça. Quoique, en fait, non, l'expérience, non, on en a rien à foutre. Je dis de la merde. Je crois que c'était de l'or, mais en fait, non, c'est l'expérience, on s'en fout. Là, regarde. D'accord. J'ai déjà vu ce langage. Ok, on avance. C'était peut-être un peu trop de... Un peu trop de rage. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris. Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Il est où le troisième? La merde. Faut passer le pont. Il est où le troisième? Qu'est-ce que c'est que ça? Un coffre verrouillé. Les deux chaînes, peut-être. Je suis en train de... Ouh là là. Ah, là-bas, ok. Trop loin. Non. Ça a marché. Les deux chaînes, peut-être. Pas ton malin. Elle est où la sorcière? Ah ben voilà. Ok. Oh merde. Derrière toi,
deux. C'était des vrais brutes. Et pourtant, on est toujours là. La brume de guérison. C'est mort. Tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici? Ça fait quand même pas mal de perles, je trouve. Ouais, on devrait rencontrer le nain dans pas longtemps. Comme ça, on va voir s'il propose autre chose. Ce sont des Éléens. Ils sont vivants. Regardez. Préparez les feux. Zegmond, des couteaux. Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Pas fini. Atreus. Ah ouais, il va être un peu sous le choc d'avoir tué un humain. Et ils vont revenir en bestiole. Ah oui. Ils sont revenus. C'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Cette chaîne. Je crois que... quand on fait le coup par terre et qu'il y a des explosions, c'est grâce à notre... grâce à nos stats, je crois. Réduit le temps de charge. Non... ajoute un obstacle au point d'impact ou au final puissant de bain influence des dégâts de brûlure, augmente le série d'explosion. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on a de la rune en fait. Oh gamin. Non. Là. Ici. Va libérer la chaîne. Eh, dépêche-toi. Oui. Quand tu veux. Non. Oh.
Ah, faut lui parler, je crois, non ? Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Hey ! Écoute-moi. Qu'est-ce que... Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Ah, c'est la porte. Ah, il y a le premier nain. Comme ça, on va peut-être pouvoir voir s'il y a des nouvelles armes. Ou des trucs. Perle de colère. Oh, là, 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 là. Moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles ? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Tu avais raison. T'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non ? Allez, je veux voir les armures. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois ? Nouveaux objets découverts. Créer, améliorer nouveaux objets puissants. Racheter, enchantement. Création d'enchantement épique. Utilisez pour s'y enchanter un nouvel enchantement épique. Marque parfaite de protection. Marque parfaite de Xvazir Plus. Et changer une amulette Xavier Plus améliorée au maximum contre un enchantement parfait déclenchant glissement de royaume qui ralentit les ennemis aux alentours au cours d'une esquive in extremis. Changer le talisman doré de protection améliorée au maximum contre un enchantement parfait. Il augmente la fenêtre de temps disponible à la parade, augmente considérablement la défense lors du blocage. Intéressant. Hein. Tunique God of War. Ah, c'est sympa, non ? C'est joli, j'aime bien. Alors, l'utilisation d'une pierre de santé ou d'une pierre de rage génère une puissante explosion qui inflige aux ennemis à proximité des dégâts de givre et de brûlure. Je sais pas trop. Enfin, les stats. Les stats sont cool, donc on l'utilisera sûrement. Surtout que c'est que niveau 1, enfin niveau 8 là, si on augmente encore, ça va être un truc de ouf. Couvre code foire. Si la barre de santé de Kratos est pleine, les pierres de guérison augmentent sa rage. Si la barre de rage de Kratos est pleine, les pierres de rage augmentent sa santé. Ça c'est cool. Ça c'est pas mal. Protège ventre. L'utilisation d'une pierre de santé ou d'une pierre de rage offre une barrière protectrice qui diminue contre les dégâts des attaques ennemies. Ah, c'est pas mal aussi. Ah, et tunique en plus. Non, ou alors on les avait, ça, je sais plus. Un truc pour le petit. Tunique du champion.
Réserver à un maître de toute discipline augmente énormément les dégâts au corps à corps et trucs, et sa vitesse de récupération et diminue le temps de recharge des flèches. Combattant légendaire, tous les atouts de la tunique de combattant légendaire. C'est quoi la combattant légendaire? Courant forcé, pointe de fer, ok. Runique légendaire. Ouais, en gros, il a toutes les types d'armure, quoi. Ah. Sympa. Je me demande si on va avoir que ça. Peut-être un peu peur que... qu'on ait que ça, en fait. Ouais, la force va être plus élevée. On va perdre des runes, par contre. La défense va être plus élevée aussi. La vitalité plus élevée, la chance. Et la récupération, on n'aura pas de récupération. On va perdre de la rune et de la récupération, mais après tout le reste va être augmenté au maximum et on aura vitalité et chance en plus. Ouais. Ok. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache! C'est passable. Ce chemin, il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Je vois que vous êtes tombé sur des vagabonds. Ah, c'est mission secondaire. Des vagabonds vous sont tombés dessus. Qui sait? Et qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien. Bon sens que tu poses comme question. Brock. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ton frère a la moitié de votre marque? Parce que je veux plus jamais travailler avec ce lèche-botte. J'allais pas le laisser l'utiliser tout seul, et lui non plus. Alors la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50, pile au milieu. Il n'y a plus que là-dessus qu'on était d'accord. Quoi? Tu veux que je t'embrasse? Fiche le camp! Pardon. Viens, Atreus. D'accord. Oh, je l'avais même pas vu. Ça pourrait être utile. Cadeau. Ouais, l'armure est cool en tout cas, les stats et tout, sympa. Les habilités sont un peu étranges, mais enfin, on va perdre quoi. Ce qu'on va perdre est quand même des trucs cool. Fait en tenir aura imparable qui empêche toutes les interruptions des ennemis à chaque coup réussi. C'est pas mal ça. Réinitialiser instantanément la récupération de toute attaque runique à chaque élimination avec une attaque runique, ça c'est top. Et une grâce runique en une attaque runique. Moi j'aime bien. Mais bon, vu les stats, on va pas pleurnicher. Ça c'est pourquoi? C'est pour revenir? Ouais, c'est pour revenir. Tu m'as laissé me battre seul. Oui. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. J'ai compris. Bien. Oh, attends. On est revenu ici. Ouais.
Par contre, ça va être long, hein. Pour les avoir, ces armures, hein. S'il faut à chaque fois des coffres. C'est pas que c'est chiant. Mais... J'aurais bien voulu tester une armure tôt. Bien. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Et si je l'appelais Franchot Vingras ? Hé ! Franchot Vingras ! Viens là ! Ça me plaît bien ! Ah oui, les pièges et tout. Pas très accueillant. Attends-moi ici. Ce qui est sympa, c'est que là, on a les lames. Réflexe. Dernier. Pas besoin d'utiliser la hache. Alors, maintenant, je me rappelle plus où sont les choses. Il y en a au-dessus, je crois. Le pouvoir, il redescend. Vas-y. J'arrive. Je crois qu'il faut monter dessus. Voir un peu. Non, pas par là. J'étais pas sûr qu'on s'en sorte. Je n'ai pas l'intention de nous laisser mourir. Faire monter. Il doit y en avoir encore un.
c'est pour revenir, on s'en fout. Ça sert à quoi les sauts affûtés de vigueur, je m'en rappelle plus. Pas ici. Wow. J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. Kratos qui peut pas montrer ses sentiments. Qu'est-ce que c'est ? Atreus. Regarde, il y a des runes sur le côté. Tada ! Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme ? Il y a peut-être un indice quelque part. Les cercles tournent. Redescends. Ah oui, c'est vrai. Ça fonctionne toujours pas. Je crois que cette partie est en place. Tada ! Je vois les runes. Atreus, que disent ces runes ? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois ? Bah, go. Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment ? Kinslos. Il s'est passé quelque chose. Ça a marché. Ah, tellement cool ce jeu. Je suis content d'avoir rencontré Brock. Mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. Pas un corbeau. Ah, il est là. Ah, boss. Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Ça, je me rappelle, il était pas mal compliqué parce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait des monstres en plus. Je
Je me rappelle plus ce qu'il fait lui quand même. Ah. Oh merde. Tout le temps. Parti. Est-ce qu'on finit par s'y habituer? Non. Si. C'est quoi cette mixture? Là, qu'est-ce qui est écrit? Les runes symbolisent les trois normes. Les normes? Le destin. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Ok. Pouh, c'était loin. C'est ça les coffres normes en fait. Je me rappelais plus de ce que c'était en fait, c'est ça. Je veux pas monter à Tris? Non, là. Non. Ah. Atreus, par ici. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Vas-y, vas-y, écris-le. Hein. Écris-le, gamin. Alors, c'est là d'où on vient.
À gauche, on a fait le coffre. À droite. À droite, il y a sûrement un truc. Non, ce qu'on fait encore ici. Oh là là. Ouh. Atreus. Chut. Parle plus. Atreus, j'entends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Ah, on va rencontrer machin là. Quoi, Freya? Non, pas Freya. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. Reste sur tes gardes. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Certains de ces corps appartiennent à ces créatures étranges. Faut faire le tour, je crois. Pas d'objet. What? Il y a aussi des drogars ici. Ils se sont peut-être battus. Excusez-moi, je prends ça, monsieur le mort. On n'est pas censé se faire attaquer ici? Oh, encore un! Ah bah voilà. Oh la vache, t'es rapide. Je crois que tu l'as eu. Je viens de lui écraser la tête. Je crois que tu l'as eu. Je m'en suis bien sorti. Ouais. Tu t'amélioreras avec la pratique. J'ai pas fait grand chose, mais ouais. Là, il est passé en dessous. Atreus. Oh. Atreus! Où es-tu? Dépêche-toi, Bert! Je l'ai trouvé! Atreus! Il ralentit! Il est là-bas. Je crois qu'il y a des trucs à trouver là-dedans. Oh. Je vais se faire le tour vite fait. Y a pas un coffre. Attends-moi, Atreus. Atreus. On s'en va. Attends, mais je cherche des coffres. J'arrive. Non, on va zapper. Beaucoup de parlotte là avec l'autre.
Avec madame la chiante. Qu'est-ce que ça fait? Ça tire une flèche sur mon copain. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. Atreus, tu parles trop. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas peur. C'est une tortue! Il est gentil? Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. C'est marrant de se dire qu'après elle devient complètement hystérique et tout. Enfin, on a tué son fils aussi. Il est inoffensif. Faut la comprendre. Mais elle... elle devient ce qu'elle devient, quoi. Vite. Elle devient ce qu'elle devient. Cueillir des fleurs. Okay. Non. Faut que je lui parle. La cardamine. Je t'en prie. Ah, de ce côté. Il faut faire vite. Arrive. Rejoindre Atreus, il est de l'autre côté. Ah, il est là. Tu peux m'aider? J'arrive pas. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. Il a pas tort. J'y ferai plus attention, c'est promis. Si je l'avais perdu, tu l'as déjà perdu. Ce qu'il me faut. Il va pas mourir? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Louina. Louina. Himmler.
Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Let's go. Est-ce qu'on se reverra? Oui. Hélas. Hélas, oui. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Prenez le bateau. Attends. Prends ça. Serre-t'en pour t'orienter et trouver ton chemin. C'est vrai qu'on n'avait pas la boussole. Elle pointera toujours vers ton objectif. Voilà, c'était moche. Bateau est là-bas. Ce sera pour plus tard. C'est pas trop lourd? Si. Ça a l'air lourd pourtant. Yes. Combien on en a maintenant? Oh putain, que 18. Ne touche pas l'eau. Pourquoi? Tu sais ce qu'il y a sous la surface? Non, c'est tout noir. Alors, ne touche pas l'eau. Ah, on peut? Atreus, avec moi. C'est bon, j'y arrive. Okay. Ouais, toutes les choses qu'on peut faire avec les lames du chaos, en fait, on peut pas les faire. Enfin, tout ce qui est secondaire. Pour éviter de merder l'histoire, quoi, en gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Talisman de vitalité concentré plus. What? Ah tiens, on a... Oh! C'est vrai qu'on peut lui changer. On a autre chose. Hommage au dernier des Jotnar. Jotnar, c'est les géants, c'était sa mère. Accélère énormément la vitesse de récupération, attribue ses dégâts au corps à corps. Combattant légendaire, runique légendaire. Cool. Ah, c'est ça, oui, les forces. Gravé de cœur. Ah! Octroie un regain de santé. Faut attendre que ça se recharge pour le remettre. C'est pas mal. Là-bas.
Faut qu'on l'augmente de niveau par contre, mais c'est pas mal. On atteindra la montagne bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois, ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Par contre, le rechargement est long. Enfin, c'est le premier niveau, donc ça régène pas beaucoup et c'est long. Normal. Voilà la montagne. On est tellement proche. On arrive dans la mer. Comment tu le sais? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. Oups. Il faut qu'on mette des runes aussi. Il faut vraiment qu'on mette des runes dessus. C'est Thor. Thor, le dieu du tonnerre. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Mon dieu As, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question? Je crois que je vois quelque chose. Là-bas, en plein milieu du lac. C'est là que Kratos il est en train de se dire « Merde, on vient de tuer un... le fils d'Odin. » Il y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Je me rappelle plus de cette partie là. Il est écrit: sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. Ah oui, il va jeter sa hache, je me rappelle. Jeter nos... Ouais, il va jeter sa hache, le truc va venir, voilà. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'apparaît plutôt grand. Où tu vas, Kratos? C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Tu te déplaces toujours en pas de course comme ça? Ouais, allez. Oh le mec, est-ce qu'il est lent? Attrapé! Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Ferme ta bouche. Je vois pas pourquoi on ferait ça. Blastron de Vagabond plus. Donc là, on avait avant Blastron de Vagabond. Je crois que Blastron de Vagabond, je l'ai encore. Bon, la prochaine. Je crois que c'est une des premières armures que j'ai augmentées parce qu'elle était super classe. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Qu'est-ce que ce sera? Alors, Vagabond régénère progressivement une barrière protectrice qui absorbe une seule attaque. Cool. Augmente 6% des dégâts infligés par les attaques à main nue. Uniquement renforcé à l'aide des fragments de métal d'une armure de vagabond. Augmente la vitalité des guerriers assez fort pour la porter. Ah, il faut des trophées macabres et tout ça. Des perles de colère. Bah là, ça fait rien.
Cool, 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 cool. Talisman. Ah, maintenant on peut créer ça, c'est ça? Non. L'augmenter, ça, améliorer. Perle de colère. Oh la vache. 11. On n'a pas de pierre de résurrection. Ah, c'est peut-être parce qu'on était mort au début du jeu. Au début du jeu, on peut pas utiliser de pierre, je pense. On va garder les paires de colère pour l'armure God of War, je pense. Ce sera le mieux. On prendra le torse en premier. Par contre, j'ai peur de l'augmentation. Est-ce qu'il va falloir aussi des pierres de colère pour augmenter? Ça risque d'être extrêmement chiant. À la limite, on pourrait prendre une autre partie de que ça. Ça, on va perdre en stats. Faut quoi que non, c'est bien. Ouais. À plus tard. Est-ce qu'on peut visiter déjà ou pas? Je pense qu'on peut déjà visiter. En tout cas, je crois qu'on va s'arrêter là. Et demain, on en fera encore et on en fera un peu plus longtemps. Ouh, c'est rouge. Il y a écrit quoi? Nouvelle partie plus. Nouvelle partie plus lancée, nouvelle partie avec votre équipement. Ah, on peut recommencer comme ça, en fait. Au fur et à mesure. Ah, c'est sympa, ça. Genre, on peut passer en New Game Plus quand on veut. Ah, sympathique. Sympatoche, sympatoche, j'aime bien. Bon, beaucoup de choses à augmenter. On a. Bon, le bouclier, on reste avec celui-là parce que c'est celui-là qu'on a pour. Quand on finit en God of War. On a. C'était quoi qu'on avait eu? Ça. Ça a augmenté. Donc, 3, un regain de santé, c'est cool. Parce que ça, on est bloqué en fait dans une zone. Celui-là, il va nous mettre plus de stats aussi, mais bon, faut qu'il ait des pierres. S'il n'a pas de pierres, si on peut pas lui mettre d'enchantement, c'est de la merde. Donc on va garder ça. Et après, on fera les armures. On va garder les chiens aussi. Ouais, c'est parfait. Et voilà.